Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire, comme d'habitude, de la motivation ménage, des recettes et bien sûr, des astuces nettoyage. Donc ça commence tout de suite et là, je vais commencer par débarrasser mon lave-vaisselle et je vais ranger ma cuisine, comme d'habitude, au fur et à mesure. C'est vraiment ça le secret. Dès que j'ai un petit peu de temps, je n'hésite pas, j'ouvre les placards, je vérifie si tout est bien rangé. Si quelque chose n'est pas à sa place, je le remets immédiatement à sa place. Comme ça, ça reste vraiment propre au quotidien. Et ça, c'est vraiment important. C'est en faisant ce genre de petits détails qu'on maintient les choses propres, rangées, organisées. Et pour ce soir, donc, je teste HelloFresh. Donc là, j'ai reçu la box de ma semaine. Alors, je vous dis tout de suite pour information, donc HelloFresh m'a demandé de tester une box et j'ai tellement adoré que je me suis abonnée et ça fait maintenant 4 semaines que j'utilise HelloFresh et franchement, je suis complètement fan. Moi, en ce moment, je n'avais pas envie de chercher des idées menus, je n'avais pas envie de préparer mon drive, donc c'est vraiment tombé à pic. Et j'ai bien l'intention de le continuer encore longtemps. Et c'est vraiment très très simple d'utilisation. Vous avez les sachets avec les recettes qui vont correspondre, donc avec tous les ingrédients dans les différents sachets. Et au niveau des recettes, il y a plusieurs choix. Et vous allez voir que c'est vraiment, vous avez la photo, les ingrédients et les étapes qui sont détaillées. Vous pouvez prendre plusieurs choses au niveau des recettes, que ce soit, moi je prends par exemple familiale, mais il y a aussi rapide, végétarienne. Et vous pouvez voir, donc il y a 5 sachets, donc ça c'est mes repas de la semaine. Tous les ingrédients correspondent à une recette, donc moi j'ai mis la recette dans le sachet et j'ai mis comme ça dans le frigo. Donc il y a un code de réduction, c'est Frédérine80 si vous avez envie de tester. Et ça va jusqu'à 80€ de réduction sur les 3 premières boxes. Donc là, c'est la première recette que j'ai essayée, que j'ai filmée. Et franchement, d'avoir tout... Enfin, c'est-à-dire que quand je dis tout, c'est qu'il y a même l'échalote, l'ail qui correspond à vos quantités parce que vous choisissez le nombre de personnes. Enfin, voilà, vous choisissez le nombre de personnes. Donc, c'est vraiment tout calculé. Il n'y a plus qu'à suivre les étapes. Après, moi, j'ai quand même pris familial où il y a un petit peu de repas à faire quand même parce que j'ai pas envie en semaine de juste faire des choses trop, trop simples. J'aime quand même quand on se fait des bons petits plats. Donc là, pour moi, cette version-là, c'est vraiment parfait. C'est vraiment ce qui nous correspond. Donc moi, j'ai pris forcément pour 4 personnes et on en a même des fois un petit peu en plus. Et c'est vraiment des choses simples à faire, enfin. Tout est guidé étape par étape, donc je suis bêtement la recette. Et le résultat final a toujours été très bon. Donc là, ça fait un petit moment que je le teste, comme je vous l'ai dit, puisque j'ai même racheté les box moi-même. Et au final, toutes les recettes étaient vraiment très, très bonnes. Pour moi, ça va plus correspondre à des personnes qui, comme moi, n'ont pas envie de chercher après des menus. Si vous voulez, chaque semaine, vous avez 5 recettes qui sont entre guillemets dédiées, mais vous avez le choix avec 20 autres recettes si vous n'aimez pas. Mais moi, j'ai pris le choix vraiment de prendre ce qu'ils proposent de base. Je ne veux vraiment pas en ce moment perdre de temps à choisir des recettes. Et je me suis dit, si c'est pour chercher dans toutes ces recettes laquelle je préfère, je n'ai pas du tout envie de perdre de temps. Donc, je prends les recettes de base. Ça me fait découvrir des choses. Là, par exemple, dans ma dernière box, j'avais un risotto crémeux au fenouil. Je pensais que je n'aimais pas le fenouil. Et forcément, j'ai adoré le fenouil. Donc là, vous voyez, vous avez familial, végétarien. Vous pouvez aller jusqu'à 6 personnes. Et donc là, vous voyez, ça me coûte 91€. Donc ça me fait vraiment mes 5 repas. Et niveau course, maintenant, je me contente d'acheter mes yaourts, mon beurre, mon huile, mon vinaigre. Je rachète pour le week-end parce que nous, la semaine, on ne mange pas à la maison. Et pour le week-end, j'achète des choses genre pour fête, des trucs très très simples. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'essayer parce que l'essayer, c'est l'adopter. En tout cas, pour moi, c'est le cas.
Une fois que ça c'est fait, je vais en profiter pour nettoyer le lave-vaisselle. Vous pouvez voir au niveau du filtre, il était à nettoyer. Et encore une fois, je ne sais pas vous, mais là, ça fait partie des choses. Ça fait un moment que je vois que ce filtre est plein parce que de toute façon, ça ne se remplit pas comme ça en une fois. Et j'ai laissé traîner pendant je ne sais combien de temps. Donc du coup, forcément, plus on attend, plus il y en a. C'est logique. Et encore une fois, ça fait partie des choses qui m'ont pris à peine 10 minutes à faire. Et à chaque fois que j'ai des choses comme ça, je m'en veux. Je me dis, mais ça fait 15 jours que je ne le fais pas en me disant qu'il faut le faire. Et finalement, ça va tellement vite à faire qu'à chaque fois, je m'en veux. Je me dis, je l'aurais fait tout de suite. C'est bien la peine de faire autant de cinéma, pas vouloir bouger. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de le faire. Là, donc, il y a un espèce de petit panier que je voulais enlever et je n'y arrivais pas, tout simplement parce que vous allez voir, j'ai un peu une tête de cerf en plastique. C'est quelque chose que je mets sur les verres quand on a des invités, comme ça chacun reconnaît son verre, parce qu'on en a plusieurs avec des couleurs différentes. J'ai eu ça dans la boutique Pylone à Aéroville, enfin n'importe quel Pylone de toute façon, et c'est pas mal, ça change un petit peu, et puis au niveau, comme ça on ne se trompe pas au niveau des verres. Et donc là pour nettoyer le filtre, j'enlève déjà le plus gros que je vais mettre à la poubelle, et comme ça après je n'aurai plus qu'à nettoyer correctement. Past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm all. Je vais utiliser le produit Meyer, donc c'est un produit que j'avais déjà essayé une fois, j'avais pris senteur lavande, là j'ai pris pivoine. La première fois je l'avais eu à Monoprix, là c'était il y en avait à Leclerc en promotion, donc j'en ai repris un parce que j'avais bien aimé, je le trouve bien efficace, pas trop gras, enfin ça laisse pas trop une couche grasse un petit peu, donc je le trouve très bien, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Et puis je vais bien vaporiser surtout pour essayer de désinfecter tout ça, que ça soit plus simple à nettoyer. Et une fois que j'ai bien rincé, liquide vaisselle, éponge. Et je prends le temps de frotter correctement pour que ce soit vraiment nickel. Et voilà, une fois que c'est nettoyé, je ne vais pas dire que c'est comme neuf, bien sûr, parce que ça fait un petit moment que j'ai mon lave-vaisselle, mais en tout cas, vraiment, c'est propre. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, ça m'a vraiment pris très très peu de temps. Le plus simple quand même, c'est de le faire vraiment au fur et à mesure. Comme ça, il suffit juste d'enlever le petit panier, d'enlever vraiment les restes de nourriture qui se sont coincés dedans. Comme ça, pas besoin de tout enlever. Mais si comme moi, vous avez laissé traîner un petit peu en longueur la tâche à faire, et ben, vous enlevez tout, vous nettoyez et ça va très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.